Rituel immuable depuis la Révolution. L'ouverture de la séance parlementaire suivie des joutes verbales des députés. Face émergée de la vie politique. Berceau des lois, l'Assemblée nationale semble éternelle et si familière. Mais derrière les débats et les votes se cache l'histoire mouvementée d'un palais princier devenu bien malgré lui la maison du peuple. Clin d'œil du destin, depuis 4 siècles, ce palais devenu républicain porte le nom de la plus longue des dynasties ayant régné sur la France. De l'Assemblée nationale, la majorité des Français ne connaît que l'hémicycle, lieu d'échange et de débats qui ont marqué l'histoire de France et rythmé sa vie politique ces 50 dernières années. La séance est ouverte. Et pourtant, le Palais Bourbon n'est pas que cela. Il abrite certaines des plus belles œuvres du patrimoine français, enfermées pour la plupart et jalousement gardées dans des coffres-forts souterrains, que nous allons découvrir pour la première fois. Entrée côté Seine du Palais Bourbon. Les visiteurs ne sont pas de simples touristes. Ils ont reçu une invitation de leur député. Seule façon de pouvoir entrer dans le Temple des Lois lorsque l'on n'est ni journaliste, ni membre d'un groupe politique, ni fonctionnaire de l'Assemblée. Ici, le travail parlementaire prime. Et les visites ne sont tolérées que les jours où les parlementaires ne siègent pas. Sur les photos de qui, là ? Bonjour, ça va bien ? Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. C'est moi qui vais vous servir de guide. Suivez-moi. Comme tous ses collègues à tour de rôle, un agent de liaison endosse une fois par mois la casquette de guide conférencier pour 1 heure de visite au cœur du palais. Les mesures de sécurité sont strictes. Il ne faut pas s'écarter du groupe, ne pas s'asseoir sur les fauteuils, ne prendre les photos que sur autorisation et surtout faire silence. Quelque chose d'important, nous avons les bureaux. Le Palais Bourbon et l'hôtel de Lacay ont été construits entre 1722 et 1728. Alors pourquoi cette galerie des fêtes a été inaugurée en 1848 ? Eh bien c'est très simple à comprendre. Tout simplement parce que l'Assemblée n'était pas propriétaire des bâtiments avant. Longtemps soustrait au regard, le patrimoine de l'Assemblée nationale attise aujourd'hui les curiosités. Lieu de pouvoir, écrin d'œuvres d'art et de documents rares, c'est l'un des monuments français les plus emblématiques et les plus mystérieux. Pourtant, à l'origine du palais, il n'y avait qu'une simple histoire d'amour, celle du marquis de Lacay, grand amateur d'art connu pour ses exploits amoureux, et de sa riche maîtresse, la duchesse de Bourbon. L'histoire du palais se confond avec celle de Serge Varret. Comme son père et son grand-père, fonctionnaires à l'Assemblée, Serge Varret a passé toute sa vie ici. Cela explique sans doute son affection pour les lieux. À la retraite depuis 3 ans, l'administration lui a laissé un bureau pour continuer ses recherches sur l'histoire de la maison du peuple. Le palais Bourbon et l'hôtel de Lacay ont été construits par la duchesse de Bourbon, qui était la fille légitimée de Louis XIV et de Madame de Montespan, et par son amant, le marquis de Lacay, au début du XVIIIe siècle. Le marquis de Lacay aurait acheté des terrains vers 1719 et la construction des deux palais a commencé vers 1722 pour se terminer vers 1728. La vie aristocratique se cherche un nouvel épicentre, loin des ruelles étroites et malodorantes du Marais. Ce sera le noble faubourg, futur boulevard Saint-Germain. Ce faubourg champêtre en bord de Seine était alors connu des Parisiens pour sa quiétude bucolique. On y trouvait des clairières et quelques maisons mal bâties. La nuit, les duellistes y venaient pour régler tranquillement leurs affaires d'honneur, loin de la police royale. Le marquis de Lacay aurait suggéré à la duchesse de Bourbon d'acheter des terrains dans ce quartier qui était devenu un peu à la mode après l'installation de la cour au château des Tuileries, quelques années après la mort de Louis XIV. Et c'est lui qui lui aurait recommandé aussi de choisir un architecte italien pour la construction des deux palais.
Les deux palais ne pouvaient pas avoir la même dimension parce que l'un était réservé à une duchesse, l'autre à un simple marquis. Et donc le palais Bourbon a une amplitude, une superficie beaucoup plus importante que l'hôtel de Lassay qui n'est qu'un rez-de-chaussée. Une inégalité toujours visible aujourd'hui, malgré deux siècles de travaux, reconstruction et amélioration. Ainsi, lorsque le visiteur pénètre au palais Bourbon, il doit passer par une cour majestueuse précédée de deux pavillons massifs. S'il rentre par l'hôtel de Lassay, il empruntera une simple allée arborée, courant du porche au perron. Le palais Bourbon et l'hôtel de Lassay occupent une parcelle de 3 hectares et demi. S'y développent 70 000 m2 de plancher sous environ 15 000 m2 de couverture. Ces lieux ont été construits en 3 phases successives. Une première phase qui fut l'implantation initiale sur un terrain très marécageux qui s'appelait la Grenouillère en 1735. La deuxième phase de travaux se déroule à partir de 1760. Louis-Joseph de Bourbon-Condé s'investit dans une énorme opération immobilière en construisant l'ensemble des bâtiments qui entourent la cour d'honneur ainsi que d'autres bâtiments autour de petites cours secondaires. Et il complète toute cette œuvre intérieure sur la parcelle par une œuvre extérieure puisque c'est sur sa directive qu'est reconfigurée la place du Palais Bourbon sous sa forme actuelle. Après 20 longues années de travaux d'agrandissement, l'héritier de la duchesse, le prince de Condé, fuit les sans-culottes à la Révolution et émigre. Nous sommes le 15 juillet 1789. À ce moment-là, quelques années plus tard, en 1791, l'hôtel de Lassay et le palais Bourbon sont confisqués comme biens d'émigrés. L'Assemblée nationale était née à Versailles, à la suite des états généraux qu'avait convoqué Louis XVI en 1789. Mais après les journées d'octobre, quand le roi est ramené à Paris, l'Assemblée suit le roi et s'installe dans le manège des Tuileries. Le Conseil des 500 s'installera au Palais Bourbon, symboliquement, le jour anniversaire de l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1798. Vous voyez sur cette gravure le premier hémicycle dans lequel s'est installé le Conseil des 500 en 1798. Une niche derrière le président servait en quelque sorte d'abat-voix. Dans la cour et dans les bâtiments qui bordent la cour s'installaient les différents services du Conseil des 500. Et dans l'hôtel de Lassay, on avait placé et la bibliothèque et le vestiaire pour le costume très compliqué des députés de l'époque. Voilà à quoi ressemblait la façade du palais Bourbon, côté Seine, avant sa transformation. Ce dôme au-dessus d'un palais à l'italienne mutilant les perspectives ne plaît pas à l'empereur, qui décide de lui donner un style noble et religieux. Le palais Bourbon, dans lequel on avait construit la salle des séances du Conseil des 500, ne pouvait pas être à angle droit avec le pont qui, lui, avait été construit beaucoup plus tard. Pour essayer de rattraper ce défaut et pour faire sa cour à l'empereur Napoléon, le corps législatif décida en 1806 d'élever ce grand paravent. Composé de 12 colonnes au chapiteau corinthien et d'un fronton à la gloire de l'empereur, elle simule par rapport à l'église de la Madeleine, de l'autre côté de la Seine, une symétrie factice. Tel un gigantesque sarcophage, l'ancienne façade a donc été entièrement enveloppée par la nouvelle. Mais le résultat ne fut pas non plus du goût de Napoléon. La légende veut que Napoléon ait toujours regretté de ne plus être à la tête de l'artillerie pour donner du canon contre cette façade qui apparemment ne lui plaisait pas beaucoup. Sur les antres sont représentés Thémis, la justice, de l'autre côté Pallas, la sagesse, et devant de grands législateurs, D'Aguesseau, qui a notamment refait la législation sur le testament, les successions, Colbert, qui est intervenu dans le commerce, notamment le commerce international. Ensuite, Michel de l'Hôpital, la grande réforme administrative, et Sully, la grande réforme des finances. Ce n'est que 30 ans plus tard, sous Louis-Philippe, que le ministre de l'Intérieur Adolphe Thiers commande au sculpteur Jean-Pierre Cortot un nouveau fronton qui représentera la France sur son trône entre la liberté et l'ordre public, appelant à elle les génies du commerce,
de l'agriculture, de la paix, de la guerre et de l'éloquence. C'est la période des grands travaux de décoration et de rénovation du palais qui vont lui donner son aspect actuel. Un chantier colossal confié à l'architecte Jules de Joly. Démolition puis reconstruction de l'hémicycle, avancement de la façade pour créer 3 salles supplémentaires et construction d'une bibliothèque. Et Jules de Joly, l'architecte chargé de ce projet, en profite pour établir les grands salons d'honneur qui sont devant la salle des séances et traiter l'ensemble des espaces les plus prestigieux de l'Assemblée. Les travaux supervisés par Jules de Joly vont durer 18 ans. Dernière salle du Palais Bourbon à être inaugurée, la salle des pas perdus, décorée par Horace Vernet. La salle des pas perdus sert en quelque sorte de communication entre l'hôtel de Lassay et la salle des séances. Le président la traverse avant l'ouverture de la séance entre une haie de gardes républicains. Le plafond est peint par Horace Vernet. Il représente au centre la paix, qui donne le nom à ce salon aussi, le salon de la paix, et sur les côtés, le génie de la vapeur sur terre et le génie de la vapeur sur mer. Ce lieu a conservé l'aspect qui était le sien à l'époque de Louis-Philippe. La voussure, dans la grande tradition des plafonds versaillais, représente les grands corps de l'État, et le peuple saluant le roi à son arrivée dans le palais de la Chambre. À son inauguration, l'œuvre d'Horace Vernet est l'objet de vives critiques. On reproche au peintre le désagréable accouplement de certaines allégories mythologiques avec ce que la science et l'industrie moderne ont de plus matériel et de plus tangible. C'est une première dans l'histoire de l'art. Le peintre se défend. Depuis longtemps, je fais de vains efforts pour accoutumer les yeux à une innovation qui ramènerait la vérité et qui, sans changer la poésie de l'écriture, lui apporterait au contraire des ressources nouvelles. Suis-je ou non dans le vrai ? À cet égard, ma conviction est entière et je suis persuadé que plus on examinera les motifs de ma croyance, plus elle fera de prosélytes. Juste retour des choses, la restauration des toiles et peintures murales d'Horace Vernet a été l'une des priorités pour sauvegarder le patrimoine national. Aujourd'hui, c'est dans cette salle des pas perdus que se rencontrent parlementaires et journalistes de la presse écrite. Juste à côté, la salle des 4 colonnes accueille les télévisions et les radios. D'après vous, pourquoi la télévision vient s'installer ici ? Alors qu'à côté, la salle est beaucoup plus grande. Eh bien, tout simplement parce que le bureau se trouvant par là et l'hémicycle par là, eh bien, les députés passent par cette porte que vous voyez là-bas. Alors, avant de passer à la zone interdite, vous avez quand même le symbole de la gauche et le symbole de la droite. Alors, Jean Jaurès, qui a fondé l'Humanité, hein, qui était un député socialiste, et le comte Albert Demain, lui, était un député de droite, si vous voulez, qui, lui, a fondé le cercle d'ouvriers catholiques. Voilà. Pas science aujourd'hui, on peut passer la zone interdite. Une fois passée la salle des 4 colonnes, on pénètre à l'intérieur de ce que l'on appelle le périmètre sacré, réservé aux seuls députés et ministres. Le planning des visites est surchargé. Pour les journées du patrimoine, l'affluence est encore plus grande. Alors nous sommes dans la salle centrale, qui est l'entrée principale de l'Assemblée nationale. La porte de bronze ne devait s'ouvrir à 2 battants que pour le roi. C'est toujours par cette porte qu'arrivent aujourd'hui les ministres qui traversent la cour d'honneur côté place du Palais Bourbon. Thank you.
Nous sommes ici dans le périmètre sacré, c'est-à-dire trois salons qui, comme l'hémicycle, sont sous l'autorité du président. Le salon Casimir Perier, qui est le vestibule du Temple des Lois, le salon du roi, le salon de la Croix, et le salon de distribution, le salon Pujol. Ces trois salons ont été construits en même temps que l'hémicycle, c'est-à-dire en 1830-1832. Les principales pièces du décor de ce salon sont celles d'origine, les deux tympans au-dessus de la porte qui représentent la loi vengeresse à l'extérieur et la loi protectrice à l'intérieur. Ces deux tympans sont de Trichetti. L'autre pièce essentielle de ce décor est le fameux bronze de Dalou qui a été posé à la fin du 19e siècle et qui représente la fameuse scène du 23 juin 1789. Ce bas-relief mesure 2,50 m sur 3,50 m. Il pèse 3,7 tonnes. Il comporte 67 personnages, dont 50 en haut-relief et les personnages principaux en ronde-bosse. Cette sculpture fut commandée à Dalou et la fonte du bronze à un fondeur dont le père avait redécouvert les secrets de la fonte à cire perdue, une technique très compliquée qui était employée au temps de Louis XIV. La fonte a duré plus de 8 heures. Le four a été allumé à 3 heures du matin et à midi, le travail n'était pas encore terminé. Contrairement à ce que l'on peut raconter, trois personnages seulement sont représentés d'après des gravures de l'époque. Tous les autres étaient des amis du sculpteur Dalou, auquel il a demandé de poser pour sa sculpture. Donc les trois personnages sont Bailly, le président de l'Assemblée nationale, Mirabeau et Drebrézé. Séance du 23 juin 1789. La scène entre dans la mémoire collective de la France. Louis XVI charge le marquis de Drebrézé de faire disperser les membres du tiers-état. Le comte de Mirabeau, élu du tiers-état rejeté par la noblesse dont il est issu, se lève avec le ton et les gestes de l'indignation. Oui, monsieur, nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi. Et vous, qui ne sauriez être son organe auprès des états généraux, vous qui n'avez ici ni place ni droit de parler, vous n'êtes pas fait pour nous rappeler son discours. Cependant, pour éviter tout équivoque et tout délai, je déclare que si l'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, vous devez demander des ordres pour employer la force, car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes. Le grand maître des cérémonies se retire. Un morne silence règne dans l'assemblée. C'est la première fois que l'on s'oppose à un ordre du roi. Nous sommes ici dans le salon de la Croix, mais qui était à l'origine le salon du roi, dans lequel Louis-Philippe venait faire l'ouverture de la session. Dans cette niche était installé le trône, devant lequel les députés venaient rendre hommage au roi le jour de l'ouverture de la session. Le décor confié à Delacroix par Thiers en 1833 représente les forces vives de l'État. Au-dessus du trône, bien évidemment, la justice, avec ses attributs, la sagesse représentée par le hibou et la force représentée par la massue. La justice qui s'étend sur tout le royaume, délimité par la Méditerranée et par l'océan. Ici, l'industrie, avec ses attributs, la force, représentée toujours par la massue, les sciences et les arts, représentés par le compas, le marteau et le ciseau. L'industrie qui se développe le long de la Loire, pays de métallurgie, et le long du Rhin avec les filatures. Ici, l'agriculture, son attribut, la fécondité représentée par cette corbeille de fruits et de fleurs. L'agriculture qui se développe le long de la Garonne, pays viticole, et le long de la Saône, pays d'élevage.
Et là, la guerre non pas de conquête, mais la guerre de protection, qui nécessite néanmoins des industries d'armement, la Seine conduisait à l'époque aux arsenaux de terre et le Rhône conduisait aux arsenaux de mer. Delacroix justifiait ainsi son choix. L'agriculture et le commerce fournissent les éléments de la vie dans les matières produites ou échangées. La justice conserve la sécurité des relations entre les particuliers d'un État. La guerre est le moyen de protection contre les attaques du dehors. Delacroix a peint seul ce salon de 1833 à 1838. En 1992, on a procédé à une grande restauration. Et à la faveur de cette restauration, on a découvert un repentir du peintre, l'océan, avec deux visages, deux regards. Pourquoi décida-t-il à la fin de changer ce regard ? Mystère. Le troisième salon fut décoré par Abel de Pujol. Les peintures teintées en grisaille représentent des scènes allégoriques traitées en trompe-l'œil. Alors, vous voyez que la salle est très peu colorée. Hein, comparé à Delacroix, c'est complètement différent. Mais Abel de Pujol était doué pour une forme d'art qu'on appelle le trompe-l'œil. Vous avez l'impression de voir quelque chose, mais par contre, c'est tout à fait autre. Hormis les rosaces au plafond qui sont collées et sont en relief, tout le reste n'est que de la peinture. Vous n'avez pas de marbre au mur, vous n'avez pas de sculpture au plafond. C'est extraordinaire. Le plafond décoré par Pujol retrace ainsi quelques grandes étapes de l'histoire de la législation française avec la loi salique, les capitulaires de Charlemagne, les édits de Saint-Louis et la charte de 1830. Législation pénale, administrative, civile et constitutionnelle. C'est dans ce salon que se regroupent traditionnellement les membres des partis siégeant à la droite du président de l'Assemblée, c'est-à-dire les partis dits de droite. Bizarrement, ce sont les portraits de deux hommes politiques de gauche, Floquet et Gambetta, qui ornent la porte principale. Nous sommes ici dans la salle des conférences, dans laquelle il ne se tient aucune conférence, mais plutôt des conversations. Les députés y écrivent leurs courriers ou bien lisent la presse. Le décor en a été confié au peintre François-Joseph M, à l'époque où on reconstruisait l'hémicycle. Il a peint dans la voussure certaines scènes, dont par exemple la constitution de la Cour des comptes par Louis XII. Le plafond peint par François-Joseph Heim représente des scènes de l'histoire des assemblées parlementaires françaises d'Ancien Régime. Charlemagne faisant lire ses capitulaires, Louis VI affranchissant les communes, et Louis IX faisant publier ses ordonnances avant son départ en croisade. Au centre de la voussure, les allégories symbolisent les qualités qui doivent guider le législateur. La justice, la force, la vigilance et la prudence. Les 12 médaillons soutenus par des génies évoquent d'illustres légistes, de grands ministres et de célèbres penseurs. La haute statue du roi Henri IV domine la salle des conférences comme si le premier des Bourbons, premier monarque absolu appelé le bon roi Henri par le peuple, veillait encore à sa protection et au repos de ses représentants. À l'immédiate proximité de cette salle de détente et de discussion, celle du savoir et du silence.
apothéose du patrimoine pictural de l'Assemblée nationale, la bibliothèque, également décorée par Delacroix. Il aura fallu 8 ans à l'artiste pour mener à bien cette dernière commande. L'entreprise s'est avérée beaucoup plus complexe et monumentale que pour le Salon du Roi. 42 mètres de long, 15 mètres de haut et 10 mètres de large, l'ensemble se compose dans sa longueur de 5 coupoles rappelant toutes les activités de l'esprit. Législation, philosophie, théologie, science et poésie. Entouré des écrits de Voltaire et de Rousseau, Fabrice Costa veille sur l'une des plus belles bibliothèques au monde. Delacroix s'est inspiré d'une idée qui était qu'il fallait mettre en scène uniquement des situations et des thèmes de l'Antiquité. Donc la mythologie ou l'histoire antique, l'histoire grecque et romaine. Et il a réfléchi à une classification de ces coupoles qui s'appuierait sur ce qu'on appelait la classification des libraires, c'est-à-dire les classifications des bibliothèques telles qu'elles étaient conçues au XVIIIe siècle. Aux extrémités, 2 culs de four symbolisent l'influence de la culture et de l'ignorance sur la civilisation. C'est-à-dire d'un côté la paix et de l'autre la guerre, d'un côté Orphée, c'est-à-dire l'harmonie, la poésie, qui apprend aux Grecs les secrets de cet art. Et de l'autre côté, Attila, c'est-à-dire la destruction, la fureur, la violence qui vient envahir l'Italie et qui ravage une société hautement civilisée. Des peintures qui retracent l'épopée humaine. La paix, berceau du savoir, et la guerre qui en est l'anéantissement, décrit par Delacroix lui-même. Attila, suivi de ses hordes barbares, foule au pied de son cheval l'Italie renversée sur des ruines. L'éloquence éplorée, les arts s'enfuient devant le farouche coursier du roi des Huns. L'incendie et le meurtre marquent le passage de ces sauvages guerriers qui descendent des montagnes comme un torrent. Les timides habitants abandonnent à leur approche les campagnes et les cités où, atteints dans leur fuite par la flèche ou la lance, arrosent de leur sang la terre qui les nourrissait. Ironie du destin, un obus allemand traversa la fresque en 1870. Mais il ne toucha que le ciel qui fut facilement restauré. Les 70 000 ouvrages qui sont à la surface ne sont qu'une toute petite partie du fond. Le fond compte 700 000 ouvrages. Et ces 700 000 ouvrages se trouvent dans 2 sous-sols qui sont sous la cour d'honneur du Palais Bourbon. La bibliothèque d'aujourd'hui doit continuer à évoluer, elle doit continuer à vivre, pas seulement dans l'acquisition de livres de parution récente, mais pour tenir compte de son histoire et de l'histoire de l'institution dans laquelle elle s'inscrit. C'est comme ça que nous avons acheté le projet de constitution annoté par Robespierre. C'était son exemplaire personnel, son exemplaire de travail, sur lequel il avait rajouté à la main un certain nombre d'observations concernant le suffrage universel. Ce meuble contient ce qu'on appelle la description de l'Égypte, c'est-à-dire 23 volumes de planches qui sont le fruit du recensement dans tous les domaines archéologiques, botaniques, zoologiques, géographiques qui avaient été effectués par les savants qui avaient accompagné Bonaparte en 1798 dans son expédition. Et on a construit pour l'abriter un meuble spécial qui a la forme d'un pylône égyptien qui est en sycomore et en palissandre avec des plaquages en acajou qui reprennent des motifs du panthéon égyptien et qui a été fait donc à la commande des questeurs de l'Assemblée en 1837 par l'ébéniste de la chambre. Alors là, il s'agit d'une série de planches qui concernent l'histoire naturelle, donc la zoologie, la botanique et la minéralogie. Donc on y retrouve toutes les espèces, en particulier d'oiseaux, que les naturalistes ont observées à l'époque, pendant leur séjour dans les différentes zones qu'ils ont explorées.
Gardien des clés, Fabrice Costa a accès au coffre-fort, lieu secret où sont exposées à l'abri du temps les archives les plus précieuses. Alors, nous sommes ici au premier sous-sol des réserves de la bibliothèque et nous allons nous diriger vers la chambre forte où sont entreposés les documents les plus précieux, qu'il s'agisse des livres, ou des manuscrits, ou des gravures, ou des objets, car il y a aussi quelques objets qui sont à l'abri de ce local. Alors, la chambre forte est un lieu protégé contre toute intrusion par un système de portes blindées, de codage extrêmement sophistiqué. C'est un lieu protégé du point de vue de la température et de l'hygrométrie, parce que tous ces documents ont besoin d'une température constante et d'un certain niveau hygrométrique. Par ailleurs, cette pièce se trouvant dans un sous-sol ayant par hypothèse la possibilité d'être inondée, on a prévu dans ce cas un plan d'évacuation en urgence qui permettrait de mettre tous les documents qui sont là, qui sont assez nombreux, mais enfin qui ne représentent pas une somme colossale, à l'abri dans la partie haute de la bibliothèque. Voici donc le manuscrit le plus ancien que possède la bibliothèque. C'est une Bible qui date du 9e siècle et qui a été copiée par des copistes de Lyon dans le scriptorium, c'est-à-dire l'atelier d'écriture de la cathédrale de Lyon, sur l'ordre probablement de l'archidiacre qui s'appelait Florus, qui était un grand érudit. Voilà donc ce manuscrit dans son état d'origine et dans une conservation dont on peut, mon Dieu, se féliciter car, comme vous le voyez, le parchemin n'a pas bougé. La bibliothèque de l'Assemblée est l'une des cinq premières de France. Parmi les pièces rares et précieuses accumulées par Camus et Druon, les deux premiers bibliothécaires, le Codex Borbonicus, un calendrier de 14 mètres de long plié en paravent, retraçant les rites de la civilisation aztèque. On n'a jamais su comment ce document du 15e siècle était parvenu en Europe. Plus proche de notre histoire nationale, d'une incroyable longévité, la Gazette de Théophraste Renaudot, doyen des journaux français, parut sans interruption durant plus de trois siècles, entre 1631 et 1914. Le manuscrit parchemin du procès de Jeanne d'Arc brûlait vive sur la place du marché de Rouen le 29 mai 1431. Ce texte contient les comptes rendus des interrogatoires obtenus sous la torture et les libellés d'accusation. Une autre pièce exceptionnelle, écrite de la main même de son auteur, un certain Rouget de Lisle. Écrit en une nuit, le chant de guerre pour l'armée du Rhin ne sera baptisé Marseillaise que beaucoup plus tard, quand un bataillon marseillais monte à Paris pour prêter main forte au mouvement révolutionnaire. On a vraiment, quand on est dans un endroit comme celui-ci, l'impression de toucher le pouls, le sang et la chair de l'histoire, que l'histoire vibre. C'est un contact presque physique avec les documents qui sont là et qui rendent la chose incroyablement vivante. Le manuscrit autographe des Confessions de Rousseau, qui a été remis par la veuve de Rousseau à la Convention nationale en 1793, et que j'ai pu lire les premières lignes des Confessions de la main même de Rousseau, j'en avais quasiment les larmes aux yeux, tellement cette émotion était grande. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature. Et cet homme, ce sera moi. Moi seul, je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Ce qui fait la richesse d'un fonds comme celui-là, ce sont des catégories d'archives très différentes. Quand on est en présence du procès-verbal qui comporte les signatures des conventionnels au moment du procès et du vote de la mort du roi Louis XVI en 1793, on est littéralement grisé.
quand on est en face du procès-verbal de la séance du 20 juin 1789 au Jeu de Paume à Versailles, où l'Assemblée nationale se constitue véritablement avec la signature de ce fameux serment du Jeu de Paume, on est véritablement en présence de l'histoire, et de l'histoire de la Constitution de la République. L'histoire parlementaire, ses petits et ses grands secrets, Bruno Fulini en a fait son quotidien. Il n'y a pas si longtemps, il était assis dans l'hémicycle et rédigeait les débats. Il a mis sa carrière au service du patrimoine et veille aujourd'hui sur les archives du palais. Nous sommes ici au service des archives de l'Assemblée nationale et dans cette pièce très particulière sont conservés tous les témoignages de l'activité des députés de 1789 à nos jours. Donc ici, nous avons vraiment la mémoire de deux siècles d'histoire parlementaire conservés dans ces murs. Là, j'ai un registre. Nous sommes en septembre 1848. Ce sont les débats sur la future constitution de la Seconde République. Et ici, voilà, le citoyen Victor Hugo prend la parole, eh bien, pour un discours qui va devenir un classique, un discours extrêmement célèbre, contre la peine de mort. Messieurs, qu'est-ce que la peine de mort ? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Et là, on a ce qu'on appelle un mouvement de séance, c'est-à-dire, entre parenthèses, en italique, sensation. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Messieurs, il y a trois choses qui sont à Dieu et qui n'appartiennent pas à l'homme. L'irrévocable, l'irréparable et l'indissoluble. Malheur à l'homme s'il les introduit dans ses lois. Tôt ou tard, elles font plier la société sous leur poids. Elles dérangent l'équilibre nécessaire des lois et des mœurs. Elles ôtent à la justice humaine ses proportions. Et alors il arrive ceci. Réfléchissez-y, messieurs. Que la loi épouvante la conscience. Les voix des tribuns résonnent encore dans l'hémicycle, véritable poumon de l'Assemblée nationale. Comment ne pas sentir toute la pesanteur de l'histoire dans un tel lieu ? Le premier hémicycle a été mis en place dans les années qui ont suivi la Révolution française pour accueillir une assemblée qui s'appelait le Conseil des 500. Nous sommes en 1797-1798 et dans les années 1820, eh bien, cette vieille salle tombe en ruine. On décide de conserver sa structure, donc un hémicycle, un théâtre à l'antique avec des galeries pour le public, un oculus, c'est-à-dire une verrière en forme de demi-cercle qui permet de capter une partie de la lumière du jour, mais il faut refaire l'intérieur et sous la direction de Jules de Joly, l'architecte, eh bien, l'hémicycle est façonné et prend, à très peu de détails près, la physionomie que nous lui connaissons aujourd'hui. De la période révolutionnaire, il reste deux éléments vraiment anciens. D'une part, le fauteuil du président, c'est le fauteuil de Lucien Bonaparte. Il a été fabriqué en 1797. Et puis, il y a un autre élément qui est le bas-relief de Lemot. Ce bas-relief, c'est celui que l'on voit devant la tribune de l'orateur. On voit l'histoire avec ses tablettes qui écrit, qui, pour la postérité, eh bien, retrace ce qui se passe. Et puis, la renommée qui embouche sa trompette et qui va faire connaître les grands moments, les grands orateurs. Si on regarde de près ce bas-relief de Lemot, il y a des petits détails très intéressants, par exemple une tête de Janus, le dieu donc Bifronce, un visage regardant le passé, c'est-à-dire l'expérience, hein, et un autre l'avenir. Voilà, l'idée c'est que la loi doit se nourrir du passé pour préparer l'avenir. Alors les statues de Pradier sont hautement symboliques. James Pradier a représenté d'une part la liberté qui est représentée à demi nu dans une pose assez lascive, et d'autre part l'ordre public, beaucoup plus strict, drapé, armé d'une lance, avec un fléau de justice dans l'autre main. Ce qui est intéressant, c'est que la liberté a été placée face au côté droit et l'ordre public face au côté gauche. Donc on peut en tirer des conclusions opposées, selon qu'on considère que ces statues parlent naturellement à l'un ou l'autre côté, ou au contraire invite chaque camp à ne pas oublier celui d'en face. L'hémicycle a été considérablement modernisé ces 30 dernières années. Le scrutin électronique a fait son apparition. Sur le bureau du président sont intégrées les commandes de scrutin et d'ouverture de micro. Sur chaque pupitre, les commandes de vote sont directement reliées au panneau d'affichage. Les vieux bancs des députés, encore là en 1970, ont été transformés en fauteuils individuels.
La verrière est d'origine, mais l'éclairage a été revu et modernisé en 1975. Aujourd'hui, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, la lumière reste identique, comme si l'horloge du temps républicain devait s'arrêter à la création des lois. Pourtant, dans l'histoire de France, le temps républicain s'est déjà arrêté dans l'hémicycle. Cela dura 4 ans et commença le 10 juillet 1940, quand les parlementaires décidèrent de donner les pleins pouvoirs à Pétain. 2 semaines plus tard, la voix du Führer résonnait dans la salle des séances. Août 1944, la division Leclerc assiégeait Paris, mettant fin à la période la plus sombre de l'histoire du Palais Bourbon. L'hémicycle, qui est très calme aujourd'hui parce qu'il est vide, et parfois survolté. Et il y a eu des séances extrêmement violentes. On peut penser à la Troisième République au temps de l'affaire Dreyfus, quand vous avez Jean Jaurès à la tribune qui est tout simplement cogné par un député monarchiste. Vous avez eu des bagarres générales et de très nombreux duels. Évidemment, les duels ont lieu hors du Palais Bourbon, mais on prend date, on s'échange ses cartes, on nomme ses témoins. Le plus récent, c'est en 1967. On est au lendemain d'élections législatives qui ont été particulièrement disputée, la majorité ne gagne qu'à un siège près, la gauche conteste cette victoire en considérant que les élections ont été truquées outre-mer, les députés de droite entendant ça veulent signifier à la gauche qu'elle aussi a un petit peu ses bastions et se mettent à scander Marseille, 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 et dans le tumulte, Gaston Defferre, outré, repère un interrupteur, René Ribière, et lui dit « Taisez-vous, abruti ». Alors ça ne figure pas dans le compte-rendu, mais René Ribière l'a très très bien entendu, et il est furieux. Il va trouver Gaston Defferre et il lui dit « Vous m'avez traité d'abruti, et pourquoi ?»« Parce que je le pense ». Et René Ribière répond « Je vous en demande réparation par les armes ». Alors tout le monde essaye d'empêcher ce duel, on tente des médiations qui échouent. René Ribière veut son duel, et le duel a lieu dans le jardin d'une villa de Neuilly. Le duel lui-même dure très peu de temps. René Ribière est touché 2 fois, une simple égratignure au bras. On arrête tout. Mais évidemment, ce duel un petit peu anachronique aura un certain retentissement. Et du coup, il n'y en a plus depuis. Mais que se passera-t-il à l'avenir? Personne ne peut dire qu'il n'y aura plus jamais de duel. Tel que la propose la Commission européenne est non loin du tumulte de l'hémicycle, à proximité du Palais Bourbon, l'hôtel de Lassay, résidence officielle du président de l'Assemblée nationale, a gardé son inspiration d'origine. Ce petit hôtel a été construit par le marquis de Lassay, pour le marquis de Lassay, et progressivement, naturellement, la monarchie juillet et le Second Empire ont transformé ces palais. Mais c'est depuis 1804 que siège ici le président de l'Assemblée élu au suffrage universel. Mais ce palais de Lassay, ce palais Bourbon, ils ont une âme, et cette âme, c'est le fait que ce décor ait traversé l'histoire, les vicissitudes politiques, les révolutions, les changements d'hommes, en restant intact. Et c'est à l'image de la France. Elle a d'abord été monarchique, puis elle s'est donnée à l'Empire et elle a fini républicaine. Mais elle a fait ça dans ses locaux. Si vous vous laissez porter par notre histoire, vous aurez dans ces 2 palais l'aboutissement de l'âme de la France, une histoire politique, une histoire littéraire et une histoire artistique. Le marquis de Lassay aurait quelques difficultés à reconnaître son hôtel aujourd'hui. Les caprices de l'histoire et les désirs d'embellissement des propriétaires successifs ont marqué de leur empreinte un lieu qui, à l'origine, était le symbole du goût au XVIIIe siècle. L'hôtel de Lassay a subi une transformation majeure au milieu du XIXe siècle. Le rez-de-chaussée a été bâti en 1735, en même temps que le Palais Bourbon. Au milieu du XIXe siècle, lorsque la Chambre des députés s'installe dans la nouvelle salle des séances bâtie par Jules de Joly, l'hôtel de Lassay est enfin vendu à l'État. On peut faire des travaux d'aménagement et de réhabilitation.
C'est ce qu'entreprend Jules de Joly en surélevant l'hôtel d'un étage. C'est une grande modification, c'est à peu près la seule que l'hôtel a eu à subir. L'hôtel de la Serre a également subi des transformations sur le plan de l'aménagement intérieur. L'hôtel du 18e est très compartimenté. L'hôtel du 19e, comme vous pouvez le voir, propose de très grands espaces, de très grands salons d'apparat, qui sont des pièces uniques. Donc, Jules de Joly a fait tomber un certain nombre de cloisons pour avoir ces grands salons d'apparat. Ce qu'on peut dire à propos des peintures de François-Joseph Heim, c'est qu'il se restitue lui aussi dans une tradition du 18e où le libertinage est quotidien. Donc nous avons des scènes d'intérieur avec beaucoup d'élégance, du charme, de la musique, des rapports tout à fait charmants et amoureux. Ce qui est également remarquable à l'intérieur de cet aménagement, c'est la pertinence et un peu le clin d'œil qu'il a donné à cette suite de salons. Ainsi, au 18e, là où nous avions des petites cheminées et des glaces entrumeaux, nous avons maintenant des très grandes cheminées monumentales et un vide entrumeaux. C'est tout à fait trompeur pour un spectateur qui se place devant la cheminée et qui essaye de voir son miroir. Il ne se trouve pas. C'est vraiment un clin d'œil. Le résultat est saisissant. Ces trois pièces communiquent largement, non seulement par les portes, mais aussi par les cheminées. Le dédoublement de tous les éléments de décor selon une symétrie irréprochable et les effets de miroir produisent une impression de léger vertige où l'œil s'égare à la recherche de la réalité et de son reflet. Vous voyez, regardez, lorsque je me dirige de l'autre côté, vous allez me retrouver. Voilà. C'est de l'humour. Au sous-sol, c'est toute la vie de l'hôtel de Lassay qui bourdonne d'activité. Coulisses interdites au public qui recèlent d'autres trésors et d'autres histoires à découvrir. Voilà, chef. Nous sommes au cœur de l'Assemblée nationale. Dans les cuisines, avec le chef, qui est également un monument historique. On va entièrement continuer à restaurer cette cuisine, puisque elle n'a pas changé. Elle est voûtée. Vous voyez ici, là où on faisait cuire les poulets. Et alors, le duc de Morny était quelqu'un de très impatient. Il fallait que, quand il arrive, ça soit immédiatement prêt dans la seconde. Alors, ici, on mettait des cendres et des poulets. Il y avait 5 ou 6 ou 7 ou 8 poulets qu'on mettait à des moments différents pour qu'au moment où il arrive, le poulet soit prêt. Si la cuisine est d'époque, le cabinet de travail est lui aussi resté intact depuis l'époque du prince de Condé avant la Révolution. Aujourd'hui, il est appelé cabinet du départ, car le président part de là pour se rendre dans l'hémicycle. Donc, le président se tient dans ce salon de départ. Il part. Là, la tradition, c'est de se donner un peu de courage en caressant le ventre de cette dame. Et puis, il s'en va dans ce couloir qui a été construit pour le duc de Morny, qui allait prendre sa présidence de président du corps législatif et qui a voulu relier les deux palais. Il y a une petite jeune fille derrière que l'on ne voit pas. Alors, vous savez, les premiers, vous n'avez qu'à vous baisser, vous mettre à genoux. Voilà. Voilà. Et bien voilà, c'est impeccable. Vas-y. Impeccable. Une, deux, trois. Oui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. Ici, l'histoire est mouvement et dans le même instant, elle se confond avec le décor. C'est ce qui fait de l'Assemblée nationale un lieu à part qui toujours continuera à fasciner. Son patrimoine n'a pas toujours été jugé à sa juste valeur. Il est donc important de laisser ces lieux intacts,
dans leur pureté originelle. De rendre ces fresques, ces peintures, ces objets, ces trésors les plus accessibles possibles pour les années à venir. Mais il y aura de nouvelles histoires à raconter. Demain, peut-être, dans l'hémicycle, il se passera quelque chose qui restera dans les mémoires, génération après génération.